Donc ce match, nous l'avons bien entamé, nous l'avons pratiquement pour moi bien fini parce que on a quand même bien joué par rapport au temps de préparation. Et puis, bon, ce qui a manqué à notre équipe de Mazembe à pouvoir arriver à remporter cette victoire, c'est qu'on a manqué la compétition dans les jambes de nos joueurs. Donc on n'a fait que des préparations, on n'a pas fait beaucoup de matchs de préparation de haut niveau. Quoi. Coach, sur le plan du jeu, l'équipe a pêché à quel niveau? Sur le plan du jeu, l'équipe a pêché, je peux dire à deux niveaux, parce qu'il n'y a pas eu de concrétisation par rapport aux deux, trois occasions de but qu'on a eues. Et aussi à la remontée du bloc, parce que l'équipe, à un moment donné, on s'est retrouvé avec deux blocs, un bloc très haut et un bloc très bas. Donc l'adversaire a profité de cela pour jouer vite les contres, parce qu'entre les deux blocs, il n'y avait pratiquement personne au milieu. Il suffisait que les deux changements pour aller chercher l'égalisation? Oui, ben, on a vu que on pouvait faire que ces deux changements, parce que c'était des changements de niveau offensif. On ne pouvait pas faire de remplacement n'importe comment, donc on a essayé de renforcer un peu l'attaque. Et puis, il n'y avait pas moyen de faire autrement encore sur le terrain, parce que voyant le milieu qui a un peu carburé, on ne peut pas à chaque fois changer de joueurs, surtout défensif. Ça complique si le match est à ce niveau-là, donc il faut toujours savoir gérer la situation comme ça. Et pour l'avenir, comment comptez-vous aborder cet avenir déjà avec le match de la Lunafoot et la prochaine Ligue des Champions? Oui, pour l'avenir, on va préparer tout ce qu'on a eu, donc tout ce qu'on a vu comme défaut, les petites erreurs qu'on a commises, on va essayer de corriger par rapport à la remontée du bloc équipe, et puis dans la concrétisation, donc dans la finition, on va essayer de retravailler encore tout ça. Tactiquement aussi, le bloc équipe, les coulissements, les couvertures, tout ça, on va essayer de corriger tout cela pour pouvoir avoir une équipe vraiment constante et performante.